grind it. Made it from the bottom like you. Southside nigga to a mouth in Cancun. Huge rocks poking, I don't need an AC. Banks going through everything, VR2Gs. These niggas rapping now stupid. Salutations les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment sur Fallout 4 ou encore Fallout 4 sur le DLC Far Harbor encore une fois pour parler de la naufrageuse. Je l'ai enfin trouvée, enfin à peu près, on risque de devoir chercher encore un petit peu. Alors là, je suis à la tour radio en ruine à côté du noyau. On peut encore se repérer par rapport à l'hôtel de la crête rayonnante. Et une fois qu'on aura mis une destination personnalisée, où je l'ai indiqué d'ailleurs, on va pouvoir courir un petit peu. Normalement ça devrait être assez rapide. Alors je suis blindé au niveau du poids. De toute façon il faudra que je me prépare pour la baston. Parce que pour tuer la naufrageuse les gars, c'est pas que c'est compliqué. Enfin un petit peu quand même. Mais en tout cas il a beaucoup de vitalité. C'est à dire que même si tu lui tires dessus en rafale, il perd de la vitalité vraiment à une vitesse très lente hein. Alors, où est-ce qu'elle traîne la naufrageuse? Elle est dans le coin, elle est dans le coin, je le sens. Hop. Alors, on va... Ah, je la vois, elle est là-bas. Elle est dans l'eau. Elle sillonne les environs. Elle est là-bas, la naufrageuse, les amis. La voilà, la voici. On va aller dessus, je vais tirer une... Oula. Ouais, bah, du coup, là, je vais rien lui tirer du tout. Alors, par contre, on va peut-être remonter, parce que si... si elle me repère, ça va peut-être pas le faire. Hop, voilà. Alors on va tirer une cartouche. Hop, on va la faire venir. Allez, la Macready qui tire au minigun. Il est énervé Macready aujourd'hui. Allez, on va changer d'arme parce que le fusil à levier ça fera pas grand chose sur lui. On va prendre un jet, une délicieuse omelette déclencheur pour augmenter la vitesse de guérison. Medix, Nuka Quantum, pff, ouais, ça aurait pu mais bon. Un psycho, très important. Et on va prendre la mitraillette. Ou le fusil de gauche. Alors. Allez, on va aller dessus, on va le tuer, cette saleté. Ah, voilà. Vous voyez, au fusil de gauche, 400 dégâts. Vous voyez la vitesse qui perd de la vitalité, franchement. Bon, là, par contre, j'ai réussi à le faire bugger. Je sais pas comment j'ai fait. Il a pas l'air de me taper. Bah, tant mieux. On pourra le tuer facilement, sans encombre. Allez, on va se la faire. Tant mieux, reste là, moi, ça m'arrange. Alors je précise à l'avance que je ne charge pas le fusil de gauche parce que j'estime que c'est pas nécessaire. Tu perds beaucoup plus de temps je trouve à rester appuyé sur la gâchette pour charger le fusil de gauche plutôt qu'à tirer une cartouche à la fois. Alors là par contre il a récupéré de la vitalité évidemment. Oh non non, tu vas pas te barrer ma petite. Ah c'est parce qu'il y a un gobeur. Alors là, je vois que il essaye de se barrer sinon on va le suivre. Il a tellement mal que il s'échappe. Oula. Salut toi. Ça y est, déjà le gobeur c'est fait, voilà, on observe un peu Macready à l'action. Oula. Il a bugué. Allez, on va reprendre cette ce combat, j'allais dire cette chose. Allez, putain c'est lent, hein, c'est lent, faut pas être pressé. On va prendre la capacité en munitions illimitée en carabine de combat. Ça va peut-être m'aider un peu plus. Allez. Alors tirer dans la tête ça sert à rien, hein, je précise. Ça ne lui enlève aucun dégât. Là par contre il est plus bugué du tout. Ça va, il me tape pas trop. J'ai quand même de la chance pour ça. Allez. Allez. On va la voir, on est bientôt au bout. Allez. On va attendre qu'il revienne parce que sinon pour récupérer son arme sous la flotte ça va pas être sympa. Allez. Allez, rapproche-toi encore. 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 Et c'est bon, on va pouvoir le tuer. Et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner? Un plasma pistolet, démontre rotule, 20% de chance d'infliger une infirmité à la jambe de la cible. Ok, valeur 571. Ah, ça fait presque 100, enfin un peu plus de 100 en dégâts d'ailleurs, entre les dégâts énergie et les dégâts de base. Condensateur standard, donc il y a des modes à effectuer dessus. Ok, bon, on le récupère. Viande crue. Ah, on peut aller parler au vieux Longfellow. Bon, bon, on va le faire. Hein. Parler au vieux Longfellow. Il me semble que je l'ai mis au quartier des Dalton. Ok. Alors on va attendre que ça charge. Ça y est, c'est fini. Alors,
Longfellow, où est-ce qu'on va le trouver, Longfellow? Je crois qu'il fait de la culture. En plus, je suis blindé en pod, alors on va stocker tout de suite le bric-à-brac. Hop, on est tranquille. Longfellow, il doit être ici. Il doit être dans le coin, Longfellow. Alors, par contre, les tours et la mitrailleuse, je m'en fous un petit peu. Alors. La personne qui s'occupe de la nourriture, alors à mon avis, il a bougé. Je pense qu'ils ont dû tous bugger vers la plage. C'est ce qu'ils font en général. Ouais, il y en a pas mal là-bas. Alors, habitants. Non. Ok. Et est-ce qu'on a Longfellow? Il est là. Alors, Longfellow, viens ici. Ah, I'm sorry. C'est bon. Voilà. Vieux Longfellow, bonjour. En route, rôdeur des brumes. Hop. J'ai entendu dire que vous tentiez de traquer un vieux rôdeur des brumes depuis des années. C'est vrai, je l'appelle la naufrageuse. C'est une vieille bête rusée. J'ai mis tous les gens d'Arbor à ses trousses. C'est pas comme ça, tu vois. J'ai réglé le souci pour toi. La naufrageuse est morte. Ah oui, vraiment? C'est impressionnant, surtout quand on vient du continent. Ah oui, ça veut dire quoi? Qu'on s'est pas tiré? Le plus drôle, c'est que même si je suis ravi d'en être débarrassé, elle va tout de même me manquer. Ah bah oui, ça te fera une histoire de moins à raconter à tes arboriens, vu que c'est pas toi qui l'as tué. Alors, parler au vieux Longfellow, c'est good. Et c'est tout. Ah, quand même. Dernière bataille de Skipper. Résistance aux dégâts, plus 150 en rechargeant. Oh, franchement, il est beau gosse quand même. J'aime pas trop les fusils harpons, mais il est quand même sympathique à voir. J'aime bien la dégaine, mais pas la façon dont ça tire. Je vais voir quelles modifications il y a à faire dessus, puis on verra si je le garde ou pas. En tout cas, sinon, ça se revend bien. Ok, bon, hop. Enfin, voilà, mes chers amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous expliquant et vous montrant un petit peu où tuer la naufrageuse, pardon, vous aura plu. Donc, du coup, bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon divertissement. Quoi que vous fassiez, je cherchais un petit peu le terme. Du coup, il y aura un live demain, vendredi 27 mai. Je précise la date, hein, c'est quand même important. Je ferai quand même une annonce pour vous tenir informé de la situation. Mais comme d'hab, on aura un live ce vendredi soir. Et bah écoutez, voilà mes amis. Je vous dis à la prochaine.